Née avant 1914, l'idée de transporter par air passagers et courriers a été contrecarrée par le début du premier conflit mondial. Pourtant, les premières velléités de création de compagnies aériennes sont apparues dès 1917, il y a tout juste un siècle. Au cours de la guerre, les performances des aéronefs se sont accrues de façon continue. Au début de 1919, la France, première puissance aéronautique mondiale, mais aussi la Grande-Bretagne et l'Allemagne, disposent d'une gamme d'appareils pouvant être transformés en vue d'un usage commercial. Grâce à l'action conjuguée d'entrepreneurs audacieux, de nombreux pilotes démobilisés et de politiques volontaristes, le transport aérien s'est rapidement développé en Europe, tandis que les appareils issus de la guerre étaient bientôt rejoints par des modèles spécialement conçus pour cette nouvelle mission. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale. Les frères Farman avaient conçu un magnifique bombardier et la fin de la guerre est arrivée. Il fallait lui trouver des utilisations diverses. Farman, qui avait une vision d'avenir, a pensé au transport public. À l'époque, bien évidemment, c'était une notion extrêmement folle, mais il y avait des avions, il y avait un besoin de se déplacer, et ils ont transformé ces anciens bombardiers qui avaient de la place en avions pour emmener des voyageurs, voire des marchandises. Nous sommes au début de février 1919, et un certain nombre d'hommes ont décidé de rallier Londres à bord de cet avion. Il faut réaliser qu'à cette époque, c'est quand même une immense aventure. D'abord parce qu'il n'y a aucun moyen de navigation. L'avion lui-même, c'est un monstre qui fait 28 mètres d'envergure, une vingtaine de mètres de long, qui est propulsé par deux moteurs Samson de 250 chevaux, qui traîne péniblement la machine à 150 km/h. L'homme clé de cette aventure, c'est bien sûr Lucien Bossoutreau. Mais Lucien Bossoutreau, brillant pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, est engagé chez Farman, s'apprête à faire décoller cette énorme machine pour la première liaison entre Paris et Londres. À 150 km/h, eh bien, l'avion va s'ébranler, décoller à une vitesse faible et prendre le cap vers l'Angleterre. Le Farman Goliath met 2h40 pour relier Londres dans des conditions météo acceptables à une basse altitude parce qu'on suit les routes, les voies ferrées. Et c'est ainsi que le Farman Goliath devient le premier avion de transport de passagers qui relie deux capitales internationales, Paris et Londres. C'est pour ça que la presse d'époque l'a appelé l'aérobus. Le Farman Goliath est l'ancêtre de nos Airbus modernes. Fort de ce premier succès, Bossoutreau récidive le 12 février 1919, joignant cette fois-ci Paris à Bruxelles, préfigurant l'ouverture d'une liaison hebdomadaire vers la capitale belge quelques semaines plus tard. Ces entreprises affirment la vision des avionneurs français de la capacité de l'aviation à reprendre le cours de son évolution initiée avant-guerre. Il s'agit désormais de l'orienter vers des applications propres, selon Henri Farman, à satisfaire aux besoins des transports commerciaux, du tourisme et des postes coloniaux. Aux côtés du Farman Goliath, les Caudron C-23, Samson 2A2 et surtout Breguet 14, tout juste démilitarisés, vont constituer l'ossature de la flotte aérienne commerciale naissante. Mis en service à partir de 1917, le Breguet 14, largement utilisé pendant la guerre comme avion de reconnaissance ou comme bombardier léger, est emblématique à plusieurs titres. Il s'agit d'une petite machine pour un bombardier, 15 mètres d'envergure, 9 mètres de long, 700 kg à vide. C'est une petite machine avec un gros moteur. Le moteur, c'est un V12 Renault de 300 chevaux qui fait la moitié du poids de la machine à vide et la moitié du prix de l'avion. Toutes les 50 heures, on fait une petite révision du moteur.
mais le moteur tient 2 mois, 3 mois avant d'être remplacé. C'est vraiment du solide. Et l'avion aussi, il est remarquablement robuste. Et donc, pour le transport de fret et le transport postal et de personnes, ça convient parfaitement. Dès les essais du prototype, on s'aperçoit que l'avion vole à 175 km/h. Pour un bombardier, c'est excellent. Si on compare au Farman, c'est un progrès considérable. En altitude, il vole encore à 150 km/h. Et surtout, l'avion a une caractéristique très importante pour l'époque, la structure étant dure à l'humain, y compris les longerons, y compris les nervures. Il est simplement recouvert d'un entoilage ordinaire comme les autres, mais il est tout métal. Le Breguet 14, dès 1919, est modifié, on lui adjoint sous le plan supérieur des deux ailes des conteneurs qui sont à peu près larges comme ça, qui font 1,30 m de long. Il va transporter des plis, du courrier, donc du fret postal, mais aussi des petits paquets. Quand une duchesse de l'Essex commande un bijou à Paris chez Cartier, eh bien il est livré par Breguet 14. La Teco Air en a modifié en berline à peu près 500 pour transporter des passagers sur ces lignes vers l'Espagne, l'Afrique. C'est un avion avec deux pilotes et l'autre l'un des deux postes. Et on y place des fauteuils en rotin, évidemment légers, pour 4 ou 6 passagers. Et puis surtout, on va l'éclairer, c'est-à-dire la cabine. Les gens n'aimaient pas le bruit. Déjà, le moteur est à l'avant, ça fait beaucoup de bruit, un moteur V12 Renault. Ça vibre aussi. Et il va sillonner le ciel de France pendant 17 ans en transportant toutes sortes de choses, ce qui est aussi presque un record à l'époque pour un avion de transport. Chargé par Clémenceau d'organiser la navigation aérienne en 1919, Pierre-Étienne Flandin soutient financièrement la création et l'essor du transport aérien sous la forme de subventions et de dotations d'avions militaires en surnombre. Nombre d'entrepreneurs, au premier rang desquels les industriels de l'aéronautique, s'engagent dans l'aventure. En l'espace de quelques mois, de nombreuses compagnies françaises proposent des services aériens en métropole, à travers l'Europe, puis vers l'Afrique. Alors, il ne faut pas oublier qu'en 1919, le rayon d'action des avions, c'est de l'ordre de 350 à 500 km au grand maximum. Donc, Paris-Londres, c'est l'idéal. Paris-Londres, c'est comparable aujourd'hui à Paris-New York. C'est vraiment la ligne économique essentielle. Mais vous allez avoir d'autres vols, Paris-Bruxelles-Amsterdam. Sur la ligne Paris-Londres, il y a 3 compagnies françaises. La compagnie générale transaérienne, qui utilise des avions Nieuport, avec quelques passagers, 4 ou 5 passagers maximum. La compagnie des messageries aériennes qui utilise au départ des Breguet 14, limousines. Et puis vous avez la compagnie des grands express aériens qui utilise des Farman 60 et des Farman 50. La Teco Air qui s'est constituée fin 1918, sa première escale, ça va être Barcelone. Après, il va descendre sur Malaga et ensuite avec des hydravions, il pourra desservir la côte du Maghreb. Vous avez sur le bassin méditerranéen une société qui s'est constituée, qui elle ne voulait pas desservir le Maroc, c'est l'aéronaval qui va faire Antibes-Ajaccio dans un premier temps, avec également des hydravions. Et puis vous avez la compagnie franco-roumaine de navigation aérienne qui est créée avec un banquier roumain, Aristide Blanc, et qui va desservir progressivement Strasbourg, Prague, Budapest, Bucarest, Varsovie, pour finalement desservir Constantinople. Alors, au début des années 20, le réseau intérieur français n'est pas négligeable, puisque vous avez des lignes régulières et des lignes saisonnières. Et c'est le développement de toutes les stations balnéaires. Il faut bien voir qu'on s'adresse toujours à une clientèle fortunée. Entre autres, vous allez avoir très vite des lignes sur la mer du Nord, mais surtout sur la Normandie, des lignes Paris-Deauville, Paris-Cabourg, mais les grandes dessertes, c'est Marseille, Lyon, Strasbourg. Tout juste 2 ans après que la navigation aérienne civile a retrouvé ses ailes,
9 compagnies françaises emploient 90 pilotes et 290 appareils. Le développement du trafic de passagers, de courriers et de marchandises s'affiche en progression constante. Eh bien, en 1920, les personnes qui prennent l'avion sont évidemment des hommes d'affaires qui ont besoin d'aller vite, des hommes politiques, des actrices et des starlettes en quête de notoriété, mais également des touristes fortunés qui sont en train de découvrir ce tourisme lointain qui rend les capitales si proches. Mais cela ne se traduit pas que en transport de passagers. Il y a également ce que l'on appelle communément du fret. Il y a des choses qui sont relativement légères, qui doivent être transportées rapidement. Par exemple, ce qu'on appellerait des denrées périssables. C'est le début d'échanges internationaux. Il y a également des choses plus rares, des animaux vivants, des chevaux de course. Et il y a même un article de presse qui parle de transport de cochons à bord du Farman Goliath, ce qui est quand même une grande aventure sur une machine comme ça. Les conditions de vol, aux normes d'aujourd'hui, nous pourrions les qualifier de spartiates. Sur les avions monomoteurs généralement, Breguet 14 par exemple, eh bien, les passagers étaient soit la tête à l'air, et il fait parfois froid et il y a quand même un peu de vent, soit enfermés dans une espèce de petite soute d'où ils voyaient à peine le jour, tassé comme ce n'est pas possible. Le Farman Goliath, lui, se voulait être un avion de luxe, de transport moderne. Donc, il y avait un peu de moquette, il y avait un petit peu d'insonorisation, très peu. Il n'y avait pas de chauffage, mais comme l'avion ne volait pas très haut, ben, nous restions à des températures acceptables. Se rappeler que le Farman Goliath volait aux alentours de 500-600 mètres, très rarement au-dessus. Les grandes puissances européennes, l'Angleterre essentiellement, mais également l'Allemagne, se sont lancées sur ce marché qu'elles sentaient porteur. Donc il y a une concurrence exacerbée qui est partie. Les machines se valant sensiblement de l'une à l'autre, il fallait absolument améliorer le confort, quelques services à bord, ne serait-ce que des toilettes, ou les premiers repas servis par des stewards en uniforme parfait. Cela a permis de transformer ces gros volumes en transport de passagers le plus agréablement possible et en tout cas à la pointe du progrès à l'époque. Fer de lance du rayonnement technologique de la France dans le monde, outil de la politique coloniale et étrangère, le transport aérien fait partie des priorités des gouvernements de ce début des années 20. L'enjeu est de taille, il s'agit de conserver à la France, nation pionnière de l'aviation, le rang qu'a su conquérir son industrie aéronautique. La première décision prise par le gouvernement, c'est de créer un sous-secrétariat d'État pour l'aviation de transport public qui va repartir, qui va naître. Donc là, on compte le matériel, on compte les pilotes disponibles, on compte les passagers transportés chaque année, on organise ça. Le sous-secrétaire d'État aux affaires de l'aviation, Flandin, va tout de suite passer la main à quelqu'un qui est passionné par l'industrie aéronautique, André-Victor Laurent-Hénac. Laurent Hénac, il est là pour toutes les inaugurations, il est là dans les usines de construction tous les jours et il soutient de toutes ses forces. Il va donc faire voter des crédits, justement, il va défendre le point de vue des constructeurs au niveau de l'État pour obtenir le financement d'aérogares, d'infrastructures, le financement de radiobalises et ainsi de suite. L'État a la volonté de structurer le transport aérien, donc on a choisi parmi les 500 terrains militaires, 150 dès 1919 qui serviront au transport aérien public. Sur ces terrains, qu'y a-t-il ? Il y a des mécaniciens, il y a des pompiers, il y a des médecins, et il y a des ateliers, et tout ça, ça va servir aux compagnies aériennes. À partir de 1920, comme on équipe les avions d'un poste de radio, on crée partout des tours de contrôle. En tous les cas, dans les aéroports importants, à Croydon, à Berlin, à Bruxelles, au Bourget. Des tours de contrôle où on trouve un service météo permanent. Il va y avoir l'éclairage des pistes, surtout l'hiver, hein, puisque l'hiver, il fait nuit à 4h30, 5h, donc éclairage des pistes. L'État, prenant conscience que les mêmes appareils étaient proposés au transport aérien civil et militaire,
ne sont pas adaptés toujours aux besoins. Un appareil militaire, il a son rôle, mais en tant qu'appareil civil, il y a la notion de rentabilité, la notion d'habitabilité, la notion de durée, tout ça, ça change complètement la façon de fabriquer l'avion. Laurent Hénac, conscient d'un problème, va créer des concours, notamment de performance. Il y a un encouragement à développer des machines en faisant des concours entre constructeurs. Créé dans l'euphorie de la naissance d'un monde nouveau, le transport aérien commercial peine à se structurer. Laurent Hénac va s'attacher à deux chantiers prioritaires, la réglementation de la navigation aérienne et la rentabilité des compagnies. En 1918 et 1919, donc immédiatement après la guerre, on a ces créations de différentes sociétés, je dirais avec une grande liberté. Le gouvernement va réaliser que tout ceci doit être organisé. Il va y avoir toutes les règles de navigation aérienne. Il faut bien voir qu'il y a la sécurité, qu'il y a le coût. C'est sur un Farman qu'il y a eu la première collision aérienne. Quand il faisait Paris-Londres, c'était du vol à vue. Les instruments de l'époque étaient particulièrement réduits. Et pour naviguer, il suivait la voie de chemin de fer. Alors s'il se mettait juste au-dessus de la voie de chemin de fer et puis que celui d'en face faisait la même chose, il y a tout de même quelques risques. Et c'est ce qui s'est passé. Le service de la navigation aérienne va établir des règles de plus en plus strictes, ce qui devient nécessaire parce qu'il ne faut pas oublier que l'espace aérien, il appartient au pays. Ce sont des concessions qui sont faites au niveau des entreprises. Donc l'État est en droit d'exiger un certain nombre de choses. L'État va intervenir, il va être de plus en plus interventionniste, disons-le. C'est tout à fait logique. Il fallait organiser ça. Donc on a eu des règles techniques et on a eu des règles économiques. Parce que n'oublions pas que pour toutes ces sociétés, il y a des subventions de l'État. Il y a quatre types de subventions, pilotes, flottes, problèmes militaires, etc. Et l'État couvre, je dirais, 90% des dépenses. Le budget est énorme. Alors au début des années 20, les conseils d'administration des compagnies ont décidé d'occuper le terrain un peu à leur convenance. C'est comme ça qu'on a eu de la concurrence franco-française sur un certain nombre de lignes. C'est un problème important pour le gouvernement et qui explique d'ailleurs un certain nombre de fusions parce qu'il n'est pas admissible pour le gouvernement qui finance des sociétés de laisser ces sociétés se faire concurrence entre elles. Donc il n'était pas Paris-Londres, il y avait trop de sociétés sur Paris-Londres. C'est pour ça que Air Union va être créée. La création d'Air Union en 1924 préfigure la naissance d'une future compagnie aérienne nationale, à l'instar de celles existantes dans d'autres pays européens. La mise en service de nouveaux appareils, de nouveaux avions et hydravions, le plus souvent multimoteurs, construits spécifiquement pour le transport aérien, permettent d'envisager de traverser les océans et de rapprocher les continents. En 1924, on a déjà des lignes régulières. On a un transport aérien qui marche pas si mal que ça, c'est-à-dire que les passagers ont une très grosse probabilité d'avoir leur avion à peu près à l'heure. La portée de ces avions était très faible, donc il y avait un nombre d'escales absolument formidable. Ça ressemblait presque plus à un voyage ferroviaire de l'époque de l'Orient Express qu'à ce que nous connaissons aujourd'hui des voyages aériens. Le transport des passagers, le transport du courrier, c'est à la fois une finalité, parce qu'on en avait besoin, parce que tous les échanges économiques, commerciaux, dans un monde dont les dimensions commençaient à se réduire, tout ça c'est quelque chose d'important, mais en même temps c'était pas rentable. Finalement, lancer ces lignes nécessitait un coup de pouce, mais une partie importante des actifs était là. Les entrepreneurs, ben, c'était largement ceux du début de la guerre ou ceux même de juste avant la guerre qui avaient inventé l'aviation. C'était des gens fantastiques qui se sont lancés à créer une industrie à partir de rien dans laquelle les risques étaient énormes. Donc on n'avait pas du tout des gens prudents, on avait des gens entreprenants qui ont créé toutes ces lignes. On retrouve un peu l'état d'esprit de ceux qui, au XVIIIe siècle, ont labouré les océans et ouvert eux aussi des lignes et fait connaître le monde entier et l'ont réduit.
et puis aussi porteurs de technologie. Parce que n'oublions pas que c'était aussi une époque de grands exploits, de grands tours. La traversée de l'Atlantique a été un très grand objectif qui n'a été réussi pour la première fois qu'en 1927. Et il y a eu quelques autres traversées après, mais ça restait une aventure. On a vu apparaître des avions civils dans les années 30, mais qui préparaient les avions de la guerre. Le DC-3, qui a été le grand avion de transport de l'armée américaine. Et puis après, ils ont été transformés. Le DC-3 est devenu un DC-4, et puis toute l'aventure jusqu'au DC-6, au DC-8. Après la Deuxième Guerre mondiale, on est passé sur des avions civils faits exprès. Et ça a été le Super Constellation, par exemple, qui a été sans doute l'un des derniers très grands avions à hélice. Et puis ensuite, les Boeing et la Caravelle. Puis après, c'est une histoire qu'on connaît mieux. Ça va être notamment le Boeing 747. Et on est déjà dans l'aviation moderne. Il faut bien voir que tout est parti du Breguet 14, du Farman 60, qui sont nos ancêtres.